là, plusieurs femmes avec deux petits monde et puis il y a trois monde qui disparaissent. Neuf monde rivé sauvé dans accident ça, un petit bateau et qui était gagné à bord en pile monde chargé coulé bac généralement qui sorti Saint-Louis du Nord qui t'a pralé zilé la tortue et qui est néyé d'après précision directeur général Semana Eric Prévost Junior. Il a cherché pour arrêter capitaine et tivoilier ça il relé Anselita selon directeur Semana qui pas de gain autorisation n'a cité et Semana pour te prendre en main alors ce tivoilier a ti bateau a en pile fois c'est des popistachoyer te gain plus passer 30 pour la donne et il te gain en pile chaille en plus donc couler balle chargé et l'a naviguer sous la mer te gain gros vent et sous la mer et selon toujours directeur Semana monsieur Prévost dans interview par radio Kiskeya qui fait connait yo toujours à chercher moun qui tombé dans la mer et puis toute activité sensibilisation d'après ça dit à continuer pour moun yo puis vigilant et pour puis exigeant les apporter à bord ti bateau ça yo et côté yo doit gagner gilet sauvetage. Mais nous connaissons pas aucun contrôle, absolument aucun contrôle, même gens transport à fait terrestre, pas aucun contrôle, de même gens tout sous la mer. Donc Semana dit déjà voyé une équipe dans Nord-Ouest pour mener enquête sous drame ça. N'attendez qu'il te parle comme ça dans micro Beethoven François fils. Nous voyons ces patinons, les parents, mes amis, tous les citoyens, camarades haïtiens, ça y est, qui périssent dans l'naufrage, il y a là qui fait entre Orofiguier et Saint-Louis du Nord. Côté que, il y a plus de 14 citoyens, vraiment, qui périssent dans l'naufrage là. Et il y a trois qui disparaissent et il y a neuf survivants, qui y a sept garçons, deux filles. Et dans 14 monde qui mourent, il y a une dizaine de femmes et puis deux enfants. Ils étaient embarqués dans le nord-ouest, c'est qui côté exactement? Ils ont embarqué Saint-Louis du Nord et dans le voilier qui est à Tintinta et qui est dans Saint-Louis du Nord et puis ils ont appris à l'Ofigier dans l'île de la Tortue. Et c'était gentil qui t'a piloté le bateau. Continuez les recherches. Tout d'abord, il faut remercier les gardes-côtes et protection civile et les gardes-côtes américaines aussi qui viennent dans le coup de main dans les recherches. GRCC, OFNAC et tout ensemble. De réseau de secours de sauvetage en Abelia qui aidait nous à sauver, premièrement, en partie de survivants, et puis prend encore l'autre monde qui a déjà été noyé dans le cadre de nos frères. Qui, Jean Semana, entend travail pour empêcher ce type de ça répéter ou est-ce de façon de temps en temps toujours gagner de monde qui prend la mer dans des conditions d'acadie extrêmement difficiles par rapport à situation qui gagne là comment c'est maintenant en train de renforcer ce type de travail la fait dans le domaine là 1771 km de côte Haïti et puis 77 villes côtières. C'est vraiment énorme et en pile et ceci s'est passé Semana seulement qui a participé et contribué qui en pile l'autre institution étatique qui ont même contribué et participé dans le cadre travail qu'a fait pour et sécurité maritime et navigation dans l'ensemble. Maintenant nous comprenons que l'est important aujourd'hui pour tout pays à tout l'État mettre tête ensemble pour nous travailler, pour que nous renforcer chaque monde dans notre pays, l'autre institution. Et comme moi, je dis, c'est plus de 4771 km de côte. Nous gagnons déjà, et en pile ville côte, 77 villes côtières, que nous-mêmes, nous gagnons représentants là-dedans, qui prend formation pour ça. Mais cependant, il y a d'autres côtés qui sont difficiles d'accès, et à cause de budget, nous tout. Mais possible pour nous arriver et couvrir tout espace par eux. Maintenant, ça n'a pas empêché que nous toujours continuons à faire travail, non. Mais cependant, ça m'a rappelé au Bidoven, c'est que les naufrages, ils ont fait tout partout sur la terre, sur ça et Google, pour regarder différents naufrages qui fait à travers le monde, presque au quotidien, ou après chiffre là, il est vraiment énorme. Mais cependant, en pile poids, accident ils ont fait, et même en Haïti, il y a des informations pas sur la nouvelle, mais il y a pile poids, et presque et chaque mois, nous avons au moins une dizaine ou quinzaine de naufrages. Mais ça qui toujours arrivé, bien pile côté, nous avons respecté nos principes. D'abord, nous avons utilisé les gilets de sauvetage. Parce que les gilets de sauvetage, là, c'est une des plus grosses armes que les citoyens ont, que
moun kap monte bateau yo genyen pour yo capable protéger tête yo. Mais en pile côté tout citoyen yo pas vle mete gilet de sauvetage là sous prétexte que gilet de sauvetage là chaud, li sale et cetera pour yo et là ça le naufrage arrivé et ben il y a inévitable sou pa konn nager de vous tomber dans la mer ou à mourir. L'important aujourd'hui pour gagner gilet de sauvetage là parce que gilet de sauvetage là c'est seul garantie au gain leur monter dans la mer. Si il y a n'importe qui va accident quelqu'un qui vient dans la mer pour capable protéger tête la vie et la vie famille. Voilà, c'est directeur Semana qui relativise totalement accident qui fait et côté montagne mouri et toute l'autre qui fait yo et ça cap gain pour fait puisque c'est chaque jour et accident fait tout partout sur planète. Alors que nous connaît pas grand qu'une politique publique dans domaine transport qui en application qui ces gens mon a circuler sous motocyclette, qui ces gens mon a circuler dans machine, qui ces gens mon a circuler dans la mer. C'est ça qui c'est réalité hein? Et c'est ça qui c'est nan question. Accident fait tout partout. Tout pays gen problème. Mais ces gens ont traité problème non, c'est ça qui va faire différence non. Mesure sérieux qui apprend là un problème présenté pour pas répéter encore. Et c'est là tout et qui va montrer la différence entre divers pays qui gagnent sous planète là. Haïti, il y a une par exemple tirer leçon de rien. Par exemple transport qui contrôle ces bananes gagnent sur affaire bateau. Est-ce que gagne phare sur tout côté bateau pour aller? Est-ce que gagne waf? Qui qualité? Et wafio pour accostage tout problème enfin voilà c'est concernant moun sa yo qui mouri dans nord-ouest qui mouri pour DG yo gens que ça toujours dit puisque si moun nan mouri ça touye là li pas capable servir pour éviter l'autre moun mouri li mouri pour grand merci parce que ça ta doit servir comme leçon et c'est même gens chaque jour pile moun ap mouri dans accident machine pas gen ken contrôle et vitesse pas gen ken côté à contrôler route là pas gen rien du tout pas gen ken politique publique donc moun nan li met a boîte à fia li met a bouteille biel nan men li sou volant passe devant la police pas arrêté c'est ça qui réalité a. Plusieurs intellectuels et personnalités divers secteurs dans société civile là gagnent un rendez-vous demain un rassemblement dans les spots là qui annonçait la fête dans jardin Kiskeya à partir de 11h et donc cérémonie ça son cérémonie relais cérémonie signature déclaration 21 d'août 2020 nous t'ai parlé avec un principal initiateur et mouvement ça qui c'est professeur écrivain Lionel Trouillot dans micro Beethoven François Fils l'a porté précision pour nous concernant activité ça il dit qui c'est une activité nationale qui objectif yo visé à travers lui-même li dit c'est pour capable garder ensemble avenir demain pays a qui a traversé une crise qui n'en bouleverse depuis plusieurs années n'a tande écrivain Lionel Trouillot qui t'a parlé comme ça concernant activité ça qu'a fait demain dans micro Beethoven François Fils mon premier m'a dit qu'est-ce qu'il y a merci que l'a pas accueilli activité ça mais quand on dit c'est un son qu'aucune activité que nous allons cérémonie signature déclaration 21 d'août 2020 et c'est pas une initiative un petit groupe monde c'est au fait un gros rassemblement qui ont caractère national premièrement parce qu'il couvre tout le territoire pays et ils ont caractère national deuxièmement parce que c'est une différente activité c'est pas un rassemblement d'avis politique évidemment il y a une majorité parti regroupement politique là-dedans puis l'autre domaine d'activité monde qui n'a activité l'église différentes qualités d'église monde qui n'a activité artistique monde qui n'a activité professionnelle monde qui n'a profession libérale donc c'est tout monde ça yo toute institution ça yo qui réunit ensemble pour signer une déclaration que on fait ensemble considérant avenir immédiat concernant avenir immédiat pays a et décisions que eux-mêmes ils prennent et surtout ça ils pas accepté. C'est ça. Alors il y a plusieurs groupements politiques qui associent avec nous tant qu'au qui est par exemple en pile. En pile, m'a pas dit de toute manière demain attendez parce que cérémonie en direct, m'a pas dit parce que tellement en pile m'a oublié. Une activité ça qu'a fait là, il est important pour nous mettre tout
moun tout secteur à égalité. C'est pour un bagage quand on me dit qui est acteur principal la donne, qui est un chef la donne. Et si tout pays a des chita par moyen, association, institution qui représentent dans différents domaines, et puis il parlait une seule voix. Il parlait une seule voix. C'est pas en contradiction avec plusieurs accords qui signent déjà, qui c'est toutes des initiatives, parce que mon cap goumé longtemps et qu'a essayé de faire entente longtemps et qui réussit même faire des ententes qui est extrêmement valable. Différence dans là, c'est on parlait société, c'est-à-dire dans globalité activité et dans globalité territoriale. Donc, on va vouloir le citer un groupe pour m'oublier un autre, et on pile de toute manière l'islam disponible demain, de son cérémonie, vrai côté, représentant différents groupes, à venir signer, évidemment, il y a des groupes qui peuvent pas des gens, qui toujours capables de venir signer demain tout. Qui présente Tetio comme responsable avec membre plusieurs organisations d'après ça vous fait connaître qui a travaillé même sur nouveau constitution le député Bali et pétition groupe jeune Sayo et qui fait connaître fait plusieurs rencontres brasser l'idée et Sayo ouais pour sauver pays a c'est une autre constitution donc c'est pas appliquer constitution de façon totale capitale non mais venir avec une autre. Et nous connaissons Jovenel Moïse, ça veut dire en français, elle a fait flèche de tout bois. Et donc, il y a plusieurs dossiers qui ont manœuvré sous yo, il y a à la fois pour élection, alors que l'on calcule même dans propre logique, pas là, qui t'a dit que c'est en 2022, à peine s'il a prêté un an et demi sous pouvoir. Pas besoin de parler, si c'est sa constitution dit concernant le mandat là, à peine s'il était 5 mois sous pouvoir. Donc, il y a plusieurs fers au feu, quoi, pour le français a dit, parce que il y a plusieurs dossiers la main en même temps. Il y a une autre constitution, là, il y a compté sous BINU, parce que c'est une mission BINU qui a gagné, avec Madame Ladine. Il y a une élection, l'ambassade américaine et Mike Pompeo. Donc, il y a dans toute barrière, et puis il y a un tout pour kembe pouvoir net. Pour pas jambe baili. Donc c'est une parole li remen, li te besoin tande, yo vin di li matin, hein? Il te prend la parole et côté li saluer travail jeune sa yo pendant te tout profiter faire connaître li à l'écoute et divers secteurs dans la vie nationale là qui pas suspend by disons yo n'a cité sous affaire changement constitution. N'a tande Jovenel Moïse qui te parlé comme ça dans occasion cérémonie ça côté Vladimir Maurice Rido était présent pour Radio Kiske. Association ça yo qui vient n'a pas les dire qui eux même ces lumières ça chercher qui fait ou vienne pour ton document maman m'a fait mon connaître tes documents ça n'est pas pour président encore c'est pour population haïtienne même pour tout peuple là document ça lui pour al servir non, ça fait changement constitution qu'a parlé. Et moi garantis tout membre association qui là, moi garantis nous que document ça, il va joindre monde qui a bien pour chita pour mettre sous pied unité ou bien commission cavalier pour travail dans affaire changement constitution. Mais dit encore faut c'est un comité ou une commission indépendante. Comité à commission qui indépendant qui va venir parler avec monde ça. Le même qui vient n'a pas l'air de dire qui fait premier par ça comité à commission ça ça veut que on va parler pour qu'on comment vous pensez comment vous comprenez affaire changer constitution et ça partie de réflexion par pour nous mêmes gros intellectuels pour nous pour ton texte bio pour nous même de qu'à voter tout ça est voté par moi m'a ramassé mais m'a toujours quitté là m'a fouillé dans tiroir. Mettez-le sur une table pour permettre le jour comité, ça, ou commission indépendance à former, dans le métier, pour nous continuer ce travail-là, nous avons pas trop long, nous avons dit ça. J'ai tout le monde qui veut mieux là, rêvé ça. J'ai un peu de monde dans la population rêvé ça. Nous avons dit ça. Donc, constitution qui est Haïti gouvernable, côté président, qui a monté, élection qui a fait, président descend, président monté. Parlementaire descend, parlementaire monté, magistrat descend, magistrat monté, casette descend, casette monté, et puis il y a toujours été sur route stabilité pour nous continuer de travailler, pour nous construire au lieu pour nous craser, abuser, bagaille.
monde dans le pays. C'est pour ça que moi, content pour moi, ça me dit qu'on parle pour faire réforme dans le pays pendant toute campagne. Bagay ça a dépassé nous aujourd'hui. Mais constater que tout le pays a ramassé la question de la constitution, moi, je suis qui route dans le pays. Et je m'a demandé pour que le président se libère toujours sur la question. Je m'a dit nous merci pour le document pendant que je m'a demandé pour nous continuer à réfléchir. Parce que réflexion, pas qu'à camper là. Mais quand on pile recevoir nous dans le salon, peuple, qui c'est pas le national, ça veut dire nous la caïne. Là, il y a un conseiller de mieux, des il y a plusieurs organisations qui chita pour réfléchir dans les affaires constitution et qui produit une réflexion que vous souhaitez remettre dans la main. Mais vous dites que vous avez remettre devant la presse. Son seul choix, mais pas rien, c'est recevoir. Parce que nous, ce petit peuple-là, nous avons droit de nous dire à tout le monde. Si nous demandons pour nous remettre, nos réflexions que nous faisons, seul ça nous gagne comme choix, c'est recevoir. Si nous, elle était bon petit temps, nous connaissons le problème, mon président, qui travaille parfois 20 heures de temps par jour. Dans l'affaire constitutionnelle, nous, dans le dernier jour, il y a un forum passé par là, qui a fait un forum qui a fait que nous fait nous-mêmes dans l'hôtel Caribé. Moi, protecteur citoyen, organisons un gros forum qui réunit pile pour intellectuels, journalistes, écrivain, gros avocat, tout le monde c'est un seul causé à parler. Nous-mêmes, dans le forum, nous, gros intellectuels, gros savants, nous tout à parler même malheur, nous tout à parler des affaires constitution. Dans la Bibliothèque nationale, en plus, le monde dans la société civile, journalistes, ethnologues réunis pour parler encore sur les affaires constitution. Mais je pensais que c'était n'importe quoi seul, non, ça t'a parlé. Moi, je dis, ouais, qu'en plus, côté dans la province, tout, en plus, organisation, dans la section communale, dans la commune, à parler des affaires constitution. Le président, il y a des bagages comme ça pour vivre. Il n'y a pas deux choix. Un seul choix, c'est de mettre à l'écoute du peuple. Gros intellectuel, ça y est, qui parle, gros savio, dans le pays, qui parle dans le forum Banon, qui parle dans l'autre forum de moi, me demande conseiller mieux, surtout conseiller légalement, pour commencer à entrer en contact avec gros potentats, gros intellectuels, ça y est, qui a parlé des affaires constitutionnelles, pour nous connaître exactement qui doit nous y aller, côté au sorti, et côté vous décidez d'aller à des affaires constitution, et vous-même y a parlé. Les affaires constitution, ce n'est pas affaire président seulement. Ce n'est pas affaire équipe qui a dirigé le pays seulement. Les affaires constitution, c'est affaire tout peuple. Ça veut dire ces affaires, monde qui a vu dans le quartier, dans la section communale, dans la commune, dans la gros ville, monde qui a vu dans la diaspora, les palais, monde qui a vu tout côté à l'étranger. Que monde qui a vu en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes là. Tout haïtiens concernés, gens représentants, associations, ce palais-là, c'est pour le faire sans fausse côté. Pour le faire sans fausse côté, il faut qu'il y ait des monde qui décide pour un leadership là. Je profite de l'occasion ça, que nous offrons après-midi hein, pour me parler à tout gros intellectuel ça, gros monde savé ça, qui prend la parole pendant les dernières semaines ça, dans les affaires constitutionnelles. Je crois que le moment arrivé, nous-mêmes, pour nous bailler le pays, ça pays a été bon. Jovenel Moïse, ben, qui a brillé, a gagné une recommandation constitutionnelle qui a été faite dans la fin de la législature. Non? Et pour faire une recommandation concernant l'amendement qui doit être fait dans la Constitution, et que tu as une commission dans la Chambre des députés qui a travaillé sur ça, qui a gagné en tête, li, et comme président, et député circonscription Pétionville, Thierry Tardieu. Finalement, Parlement, sa majorité la donne qui sorti dans PHTK, et finalement, yote boycotté tout travail directeur de TFA par aucune recommandation. Et dans le Sénat, et côté tout yote majoritaire, yote rivé, endigué des machins, et finalement, bout pour bout, nous connaissons qui vient ça passé. Et constitution, tout, constitution, yon besoin changer, ya. C'est lui-même qui permet, jounen jodi a, tout le monde qui rivé sous pouvoir, vin président. Et li dit qui vient, pour pays à marcher et constitution ça journée jeudi a pratiquement pas en application si nous retirer bataille qui était menée et que des monde qui pas décidé pour abandonner bataille qui c'est liberté d'expression liberté association ou est qui genre la police a craser toute manifestation et pacifique qui a fait elle dit son droit fondamental il y a pas sans papier droit syndical ou est qui ça qui a passé journée jeudi a donc c'est monde qui a bataille ça qui a goumé pour kembe espace ça l'ouvrir. Mais pour le gouvernement, la constitution pas existé et le président est fait-elle. Et le jour qui est 13 janvier, elle était content d'après avoir parlement pas existé encore. Et il était couru, il dit ça 24 heures de temps avant d'être arrivé. Et puis, il est très logique dans ça le faire, très cohérent, puisqu'il n'a pas organisé aucune élection.
finalement journée aujourd'hui nous pas gagné parlement qui a fonctionné, nous pas gagné collectivité territoriale qui a fonctionné et tout le monde de facto et toute institution constitution prévoit pour gagner monde qui pour nommer là légitimement qui c'est dans BRH qui c'est dans BNC qui c'est ambassadeur qui c'est dans la police tout le monde AI Haïti presque pas gagné représentant légitime dans diplomatie qui représente Haïti comme ambassadeur pas gagné rien qui fait pendant temps Jovenel Moïse rivé sous pouvoir dans ça qui concernait constitution mais constitution le remet ni pas quoi fait parce que le pareil mais constitution ça et c'est pour ça la pas appuyé démarche pour l'autre constitution et nous avons une série de monde nous avons c'est intérêt au cap guidé si c'est comprendre pas bien comprendre et qui a embarqué dans genre de activité ça yo yo question qu'a posé est-ce que constitution li appliqué parce que ou dit qu'on besoin l'autre constitution constitution ça est-ce que l'appliqué dans ça qui concernait tout ça li porter pour peuple haïtien si constitution ça était appliqué dans ça qui concernait droit peuple haïtien respect eh bien nous t'a gétan non belle route dans cadre construction société qui sont état de droit côté respecter droit moun. Quand nous commencer comprendre côté l'argent sorti pour gros bandeau ça qui dans la rue. N'a pas de coordonnateur regroupe association une association des visionnaires pour développement progrès ravi dep que n'a découvert dans occasion ça Josué Corale ou bien Coraslin qui te prend la parole non non d'après ça dit jeune ça yo elle déclarait après plusieurs rencontres brasser l'idée au faire yo soumettre une pétition ça par le président pour changer constitution. Jou mardi qui était 18 d'août 2021 dans hôtel Caribé qui te fait nous nécessité pour nous 10 gros organisations ça qui te signé une pétition et qui avec nous là et que n'a bien pour nous remettre avec président République là, son excellence Jovenel Moïse. Et c'était une conférence débat qui était très animée par rapport à Jean conférence santé dans le Caribé Hôtel. C'était un moment extraordinaire. Un moment qui te fait plus moun à suivre nous, même après, par rapport à position, par rapport à revendication. Après, conférence de Bassa, nous t'ai jugé qu'elle bon et nécessaire pour que Josia nous là et fini par remettre, j'en ai dit déjà, président de la République là, pétition ça, que toute organisation finit par signer ensemble. Et c'est le même esprit de conférence ça que nous organisons à travers la République là, qui fait que Josia, nous venons dire Palais National, nous-mêmes, c'est des organisations sociopolitiques, nous fait travail pas nous. Et c'est ça la population voulait, c'est résultat ça la tonne, livré yon l'autre constitution pour que Haïti vle, Haïti souhaite, Haïti kap fè fierté ak l'honneur et que rive joine li ou petit li rive vive Haïti ça. Nous vle yon l'autre constitution kap défini droit ak devoir tout haïtien dans quatre pays. Yon l'autre constitution kap garanti droit femme dans pays. Yon l'autre constitution kap ouvri porte à tout haïtien diaspora nou. Y a ouvri porte dans affaires gestion pays, dans affaires politiques et administratives. Yon l'autre constitution qui a garanti démocratie dans le respect de la loi. Yon l'autre constitution pour la justice qui a renforcé pour impunité Kaba. Depuis l'année 1986, le pays d'Haïti pas jamais connu une instabilité politique durable pour développement fait dans l'intérêt de la population. Là, nous considérons le peuple haïtien te baye tête li yon constitution dans la date 29 mars 1987 et puis dans l'année 2011, yon te fè yon passe mè là-dedans pour améliorer. Là, nous considérons, malgré passe mè ça, la constitution a toujours présenté même problème yo. Et parce que les haïtiens ont toujours dans l'instabilité politique, les haïtiens ont toujours dans problème social et économique et qui pas permettre li vivre. Haïti te souhaité. Les nous considérer rôle diaspora joué dans pays à pour qu'il en vie, surtout dans question économie, les temps pour diaspora jouer tout droit politique li, droit économique et social li pour tout bon vrai dans nouvelle constitution la mandéa nous rivé joindre. Pour signataire Ofadel, organisation Femmes en Action, Ajab, PostPC, Ravidep, Plaque Pac, Sauver Haïti, Au Femme La, Potem Haïti,
griffe AFP Fonds. Voilà, c'est l'organisation SAIO qui portait par le président pétition pour demander une autre constitution. C'est coordonnateur organisation SAIO qui t'a parlé. Il y aurait des associations visionnaires pour développement progrès RAVIDEP et Josué Koraslin. De dans micro Vladimir Maurice Ridori. Dans faux premier campé. Nous zone pour aller nous plus détails Saint-Jean Whiskies. Saint-Louis du Nord qui est après la tortue au figuier qui fait naufrage. Gagne yon dizaine monde qui perdu la vie. Nous déplorons ça et nous présenter sympathie nous by toute famille victime. Et affaire semana, c'est pas affaire yon seul monde et affaire navigation. C'est tout monde qui pour prendre conscience que leur a monté la mer. Faut que yo mette gilet de sauvetage sou yo, faut que bateau lè ap soti nan on port pour aller dans l'autre gagne autorisation de partance parce que la vie au monde c'est ou même qui pour protéger vie ou parce que c'est maître quoi qui veille quoi, c'est pour ça nous mandé pour tout capitaine yo avant yo quitter port yo, faut que yo prend autorisation nan men agent yo avant yo quitter port yo pour aller dans l'autre port, c'est pour tout monde gagne gilet sauvetage sou yo. Parce que si bateau a fait naufrage, moun yo gen gilet sauvetage sou yo, yo ka fait n'importe 2 à 3 heures de temps et jusqu'à ce que yo joigne secours. Donc c'est ça que fait nous encourager tout le monde pour mettre gilet sous nous pendant n'ap monter la mer. Mais on va dire que si y a survivant et responsable. Et ça que nous apprendre gen un marin yo qui vivant et pour l'autre monde encore non pas qu'à dire rien pour eux parce que tu gagne plusieurs bateaux qui fait recherche sous la mer à part de protection civile tu gagne plusieurs l'autre non pas qu'à non pas qu'on est exactement qui quantité survivant et comment on était l'incident et responsable bon c'est peut-être bateau a trop chargé qu'on a c'était jour marché tout le monde ça poté charge poté ceci poté cela donc ça bateau a trop chargé et puis là lui vient dans la mer gros la mer et puis il coulait. Mais pas d'ici, il y a des gens qui sauvent. Oui, il y a des marins qui sauvent. Qui met ça au tableau dans ce sens-là et responsable des hommes? Nous avons demandé à tout le monde pour nous prendre conscience. Nous avons demandé au capitaine pour ne pas quitter les gens, monter le bateau sans ne pas mettre gilet de sauvetage sur eux. Pas quitter le port sans ne pas prendre autorisation de partance. Parce que c'est avec gilet de sauvetage là, même si le bateau a fait naufrage, nous n'avons pas péri tout de suite. Donc c'est responsable semana dans nord-ouest non qui t'a parlé comme ça dans micro correspondant nous des hommes Léonel il reprend même discours directeur semana dans Port-au-Prince et t'es dit dans commencement journal là c'est gilet sauvetage qui cave sauver mon yo à bord bateau et puis n'a pas pour aller dans Balatibonite directeur de l'école Archimède dans Saint-Marc Viguel Noël dénoncé Zach Brigandard, il dit l'école li a subi en bas élève lycée dans ville pendant mouvement protestation pour demander professeur vienne faire coup directeur l'école ça et il dénoncé une série de professeurs qui syndiqué qui t'a derrière action élève lycée ça yo et il fait connait il déjà prend route la justice contre yo. Ministre Madéris pour plus de détails. Dans le cadre mouvement levé campé, élèves lycéens ont fait pour demander l'État, professeur dans sa classe, directeur l'école Archimède là, depuis environ 20 ans, Viquel Noël, passe un mauvais moment en bas mes élèves lycéens, mardi 18 août 2021. Directeur Viquel Noël fait connaître, c'est ça élève oublié ou pas fait. Coup de poing, coup de roche, coup de bâton, crasé par l'école là, logé doit être lisse ou une série professeur lui dit, qui t'a responsable, action malhonnête ça yo. Moi-même, pas épanoui en bas coup, en bas groupe élève tout, cap voye roche, cap bon coup, cap commerçant avec moi, mais qui dirigeait groupe élève ça yo, pas dirigé par l'autre monde, yo fait violence de l'autre côté, yo pas dirigé par l'autre monde, qui Walter Telemac, que Jimmy Elesca, que ADK Israël, que Wigo Exatis. C'est-à-dire, si groupe monsieur ça yo, nous faisons comprendre même. Syndicat, NCS, qui dit qu'il n'est pas propice pour nous manipuler les timonies encore pour écraser l'école privée. Ça nous garde l'école privée. Dès que vous allez la timonie, nous connaissons un pile groupe gang qui monte là-dedans, nous a son groupe gang élève avec chimère que M. Syndicat a remetté.
directeur Vickel Noël, mandé ministre de l'Éducation nationale à formation professionnelle là, Pierre Josué Agenon Cadet, pour prendre bonjour mesure contre professeur Sayo. Directeur l'école Archimède là, Vickel Noël, avec certificat médical en main, dit déjà déposé plainte dans parquet Saint-Marc, l'attend justice à réparation. Balatiboni Saint-Marc, 1000 Saint-Madeus, Kiskeya. Sud-Est la police, Jacques Mel a arrêté Balthazar Aublin. Il est accusé qui impliqué dans l'assassinat de Mme Roland Zeni. Et porte-parole de la police dans le Sud-Est, Gary Victor. Et ce n'est pas écrivain qui confirme les nouvelles là pour correspondre à nous, faire connaître. Et Aublin Balthazar, c'est lui-même qui te permet assassin de entrer, pour te assassiner Mme Zeni et puis voler 10 000 dollars avec bijoux dans Kaili. Je dis mon autre pour plus de détails. La police a été arrêtée mercredi 19 août 2020 après-midi dans son CC Jamel Balthazar Aublin, 19 ans, qui est un homme de monde, qui a cherché un cadre dans le mois à Mine Brun Zeni dans le 30 juillet pour l'ouvrir 31 juillet 2020. C'est porte-parole adjoint police nationale de l'Espéa, Gary Victor, qui confirmait nouvelle ça pour Radio Kiskeya. Balthazar Aublin, des accusations sous donne comme monde qui a fait route pour déprimer les criminels civils James Caleb et Dior ainsi connu entre la caille. De fait, Mme Roland Zeni, côté famille, est venue mourir en dans la caille et puis prend 10 000 dollars avec bijoux. N'a pas souligné par le pré-tribunal premier son et Jacques Mellat, déjà attendu départ. Edi Junior, Jean-Charles Grégory, sous accusation, était venu dans le un iPhone avec un LG. Des fers qui ont été achetés dans mes prisonniers criminels là, et puis tandis civil James Caleb alias Jeff, qui lui-même était confirmé dans la presse qu'il fait partie, qu'il était participé dans le crime. Commissaire gouvernement Jacques Mellat, maître Lionel Jérima, qui a attendu trois individus sud-aïe, voués dans le dépôt prison civile Jacques Mellat, et puis transféré par devant cabinet d'instruction pour suite légale. Entre temps, police nationale là, dans la métropole sud-est, a cherché un coucher fou. Troisième personnage, là, de l'or ainsi connu, qui a participé dans le plan Macabzilla. Jamel Zedimounouz, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, dernier coup de pied dans le province, appelez-nous dans Gonaïve, côté agent exécutif vétérinaire qui est en tête mairien, Patrice Boutus, fait bilan et un mois depuis arriver dans tête mairial, il a une conférence pour la presse, déclaré qu'il déjà travaille sous question employé et qui n'a pas vint travail et qui n'a pas bail résultat. Et l'imande collaboration population Gonaïve là, et n'a cité pour Kembe, cité indépendance l'an propre. Josué Jean-Baptiste pour plus de détails. Dans la conférence ça, Libaye, journée mercredi 19 août 2021, président commission communale Gonaïve là, te vle dresser bilan premier mois, li fait dans tête mairie cité indépendance là. Patrice Brutus dit, les jeunes ont mérité tout uni avec un pile problème. Malheureusement, nous avons découvert l'administration dysfonctionnelle, quasi inexistante. C'est des premières déceptions. Nous avons attendu moins que la ville de Gonaïve, la mairie de Gonaïve, l'administration communale de Gonaïve, tenant état aussi déplorable. Absence de cadres compétents, désordre, un taux d'absentéisme très élevé. Nous n'avons pas entré dans le détail sur. Nous jouons, c'est 10 mois, donc il y a presque 11 mois d'arrêt de salaire pour le personnel de la mairie. Vous entendez? 11 mois d'arrêt de salaire. Mais héritage que nous jouons. Nous remarquons que nous avons travaillé conditions difficiles, pas d'espace, pas de bureau, pas d'ordinateur, pas de délai. Patrice Brutus dit qu'il a déjà révoqué tout employé qui n'a pas travailler pendant le promet pour remplacer Silayo qui n'a pas de résultat dans le cadre de travail. Moi, j'ai une liste de plus de 200 employés au niveau de la mairie de Gonaïve. Pas de côté pour 100 monde travailler là. Écoutez, j'ai une liste de 200 employés. Pendant moi, nous faisons là, à peine si nous avons une vingtaine ou une trentaine d'employés qui viennent régulier dans nos postes, dans son situation à redresser. Pour nous réorganiser le personnel là, nous n'avons pas de nous envoyer aller. Pour tout absent, nous déjà, mais nous n'avons pas tout. Et surtout, écoute, nous avons fait un nouveau cadeau. Dans sa gain à Oué, avec Fatka qui gagne divers côtés dans la ville, le président de la commission communale intérimaire a demandé collaboration de toute population pour propre visage cité indépendance là. Patrice Brutus. Il y a des gens qui pensent que le job magistrat c'est toujours, dis-nous, c'est Fatka. Et nous parlons là, notre action. Bagan nous besoin fait. Son service, nous même, il y a de occuper de ça. Mais sans la participation citoyenne, sans la contribution des citoyens, nous pas besoin d'une ville propre. Et toute ville qui propre, dans le monde entier. Côté nous passer, c'est parce que citoyens ont comporté en façon pour vivre la propre. La mairie pas qu'à jamais nettoyer qui fait vivre la propre si la population pas participé. Magistrat intérimaire a fait connaître l'aptan nomination au troisième monde pour venir compléter commission communale qui a fonctionné jusqu'à journée aujourd'hui avec des monde. Président commission municipale intérimaire a fait connaître les déjà à travail pour préparer commémoration 600 ans fondation Ville Gonaïve cap gagné pour célébrer dans l'année 2022 cap venir Gonaïve Josué Jean-Baptiste Kiskeya.
Merci. N'a pas retourné une actualité internationale. Là, une mauvaise journée pour président Trump. Côté, il est capable d'obliger by archive concernant taxes de payer l'État, gens que un tribunal fédéral exige ça. Président américain Donald Trump a obligé de transmettre archives comptables by la justice dans New York. Ce dernier épisode dans une bataille devant la justice qui est très longue, qui n'est pas encore finie, puisque le milliardaire président est capable toujours de porter dossier en appel. Donald Trump doit transmettre 8 ans d'archives comptables par le procureur New York. Et c'est ça, un juge fédéral conclu. Et c'est un nouveau rebondissement dans 4 batailles devant la justice. Le président républicain a toujours refusé de publier genre de documents, ça, au contrairement à l'autre président américain. Dans une décision 103 pages, juge Victor Marrero estime demande procureur Cyrus Vance fait dans son sens, Cyrus Vance qui sont démocrates et qui demandait pour cabinet comptable Mazars publier documents Donald Trump pour Balil pour année 2011 jusqu'à 2018 dans cadre d'une enquête la menée. Yo pa bay trop détail enquête là, mais d'après ça tribunal fédéral l'a dit les justifier et ça Cyrus Vance bandia juge là comparé dernier argument avocat président américain qui fait une plaidoirie en juillet qui se passé là concernant mandat et réquisition qui était trop large et qui est largement large. Et puis procureur a de mauvaise foi, puis ce sont démocrates, a qui ont tentative pour en bas pour ta faire président passer comme un monde qui ont immunité totale qui doit faire ça le argument la Cour suprême américaine n'a été déjà rejeté dans une décision qui était prise en date 9 juillet. Nouvelle décision ça, pas vle dit pour autant que bataille est finie. Bataille ça t'emmène dans l'année 2019 et c'est procureur Cyrus Vance qui t'emmène dans New York. Et Donald Trump capable toujours avec avocat lui aller en appel, mais certains observateurs tout pas retirer possibilité que dossier ça capable arriver juste dans la Cour suprême. Procédure enquête là a déroulé devant un grand jury que personne monde pas connaît qui est-ce qu'il a donne et personne monde pas connaît exactement qui ça y a cherché tout ça procureur l'a cherché dans archive comptable président et li réclamé dans un cabinet comptable Mazars. Mais d'abord, enquête là li établi, c'était déconcentré, elle était commencé sous yon cob et yon te versé dans compte candidat républicain pendant campagne présidentielle là 2016 au cob te prend. Et comme ça, c'était un cob yon suspect qui te servi pour te acheter silence yon nan maîtresse président qui était dans campagne qui pas de scandale ça te al bal problème sur route li pour ta maison blanche son actrice film porno Stormy Daniels et ça qui violer loi électorale et sous question financement campagne électorale dans pays États-Unis. Mais bureau procureur là dernièrement li laisser comprendre qu'enquête là pas prêté là enquête là pillage que ça et li capable joindre de comportement délinquant et dans ça qui concernait organisation Trump Organization qui une société et qui regroupe toutes les affaires business président. Alors c'est même ni pas côté dans bourse société ça. Semblait enquête là plus vaste encore. N'a vini la caille pas nous, hier nous connaît monsieur Jout était devant la presse et abordé en long et en large plusieurs dossiers. Il était venu tout sur question et construction et réhabilitation terrain sport. Et il fait connaître, il recevoir travail expert ministère planification qui analysait plusieurs dans contrat pour te bâtir terrain dans cadre programme Petro-Caribéa. D'après explication, il te bail devant la presse, rapport ça concernait projet construction et réhabilitation 26 terrains sportifs avec gazon pour 14 ça les parcs sportifs sorti 2011 pour arriver 2016. Premier ministre gouvernement de facto Joseph Jout et qui était avancé des chiffres avec détail sans que le pas d'ici gagner corruption ou bien contrat qui était fait en battable qui pas respecté norme déclaré lui recevoir dernier parti rapport la Cour des comptes là mais le pot colle l'île monsieur Jout dit lui espérer rapport la Cour des comptes là a identifié
n'a cité vrai monde qui coupable yo dans craser caisse d'état pour voler l'argent Petro-Caribéa. Toujours dans déclaration le fait, monsieur Jout déclaré après le fin recevoir rapport la Cour supérieure des comptes contentieux administratif là, il était convoqué un conseil gouvernement pour demander toute ministre pour prendre disposition pour bail détail nécessaire sur information qui sorti yo. N'a attendé qui t'ai parlé comme ça devant la presse côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. Le montant des deux phases, 1 et 2, incluant les centres de Carrefour et de Pignon, s'élève à 21,289,279,48 de dollars américains. Le 9 juillet 2012, le MPCE a signé un troisième contrat avec la firme Adam Roufi pour la construction de 5 centres sportifs. Ces travaux, complètement achevés, a été financé à hauteur de 10,476,700 $ américains. Les centres et les parcs sportifs ont été majoritairement améliorés suite à la réalisation de ces travaux. Ceci explique d'ailleurs que le montant des contrats soit 38,679,293,80 $ américains n'a pas été entièrement décaissé. Et il convient de noter qu'avec la balance des 5,683,650,72 $ enregistrés dans les comptes dédiés, il était possible à l'époque de mettre tous les centres à point dans les temps d'exécution impartis. Ceci résume l'essentiel des informations relatives à l'aménagement des infrastructures de sport et le gazonnage synthétique des parcs sportifs financés à partir des fonds Petro-Caribé. J'en profite pour remercier la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour m'avoir envoyé le dernier rapport hier après-midi. C'est un rapport assez volumineux que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais j'espère que ce rapport pointe clairement du doigt les vrais dilapidateurs, bon, t'as qu'à dire volets, vrais volets, les vrais dilapidateurs des fonds de Petro-Caribé, car le pays en a grand besoin pour renforcer l'agriculture, augmenter la production nationale, faire les projets électriques, agir en santé et en éducation. Après avoir reçu le rapport, j'ai convoqué en urgence un conseil de gouvernement à l'extraordinaire au cours duquel j'ai instruit tous les ministres de prendre connaissance de ce rapport dans un bref délai, chacun en ce qui le concerne, en vue de fournir toutes les explications nécessaires, comme l'a fait le ministère de la Planification et de la Coopération externe pour les parcs sportifs. Tous les documents doivent aussi être disponibles aux besoins et à la disposition du grand public, plus précisément le Sénat de la République qui siège en permanence, parce que le rapport a été remis au Sénat de la République. Le Sénat peut appeler n'importe qui à n'importe quel moment pour venir fournir des éclaircissements sur le rapport de la Cour supérieure des comptes. Le Sénat a fonctionné avec 10 sénateurs. Et c'était Premier ministre de facto Joseph Jout qui t'a parlé comme ça. Gagne organisation, il y aurait ensemble contre corruption HEC qui prend en position de principe d'après ça dit sous troisième et dernier partie rapport sur l'agent Petro-Caribéen, la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif publié semaine ça. Ensemble contre corruption HEC Rale Créon Nimakel, le fait que la Cour a publié dernier parti rapport ça, qui c'est troisième nom, et sous Jean, l'État haïtien te géré l'agent Petro-Caribéen, et lui dit, c'est un pas qui fait en avant, dans bataille contre corruption, et pour l'agent ça qui te volait, l'agent ça qui gagotait pour remettre l'agent. Et c'est ce qu'a parlé toujours, il dit rapport ça réaffirmé, réalisation yon koken chen opération vol pillage et qui fait plus passer 2 milliards de dollars américains dans fonds Petro-Caribéen qui était là pour te faire des projets pour améliorer condition la vie
population haïtienne. Cependant, ECC mandé la Cour des comptes pour prendre une série de mesures rapides, ça les arrêts de débat. Et arrêt de débat, c'est moun qui met main yo, qui mal géré dans sac papou yo, et bien yo prend une série de décisions contre yo. Ça c'est job la Cour supérieure des comptes. Et li dit son étape et qui concret et qui tout bon dans démarche pour récupérer l'argent qui volait dans Petro-Caribéa. Jean que dans rencontre te gars avec la Cour supérieure des comptes dans date 30 juillet qui s'est passé là, il te mandé ça. Et ensemble contre corruption ICC, encourager tout secteur dans la vie nationale là pour mobiliser pour capable forcer la justice et qui gagne un dossier en main depuis 2018 pour poursuivre moun qui cassé caisse l'état pour voler l'argent Petro-Caribéa qui détourne ensemble avec moun qui dans confio l'eau ak yo dans programme ça et montant tout cobla c'est 4 milliards de dollars américains lié le que a favorisé pour traiter dossier ça yo pour c'est des juges qui pas dans passe pour qui pour traiter et traiter dossier et juge qui gagne compétence tout qui capable comprendre et dossier ça yo parce que jusqu'à qu'on y là pas grand quelle mesure qui capable convaincre moun réellement qui prend compte volé qui casser caisse l'état qui piller et qui prend l'argent Petro-Caribéa. En plus de ça, ensemble contre corruption ECC fait qu'on est c'est un devoir Sénat bien que c'est un bout qui était qui pas capable exercer pouvoir réellement mais faut qu'il transmette dernier partie rapport ça et bail la justice avec toute deuxième partie hein, que qui te recevoir dans mois de mai 2019. C'est maître Gédéon Jean qui président ECC ensemble contre corruption qui signe notre ça sous la Cour supérieure des comptes. Gen avocat réseau moun qui pote plainte yo et dans tête collé ak collectif organisation pour défendre droit moun qui félicite juge la Cour supérieure des comptes contentieux administratif yo d'après avoir publié dernier partie rapport sous vol PI qui fait dans fond Petro-Caribéa. Dans conférence pour la presse, yo ba jounen jodi a youn avocat réseau plaignant Petro-Caribéa, maître Marc-Antoine Maisonneuve, qui t'a parlé de quelques résolutions la Cour a sorti dans dernier rapport, fait qu'on est d'après rapport ministère la justice mal dépensé environ 4 millions de dollars américains qui te doit acheter machine et matériel pour ministère. Li déclaré gagner un autre 6 millions de dollars américains qui te doit acheter munitions pour police nationale là, yo pa un côté le fait tout et yo pa joindre document pour yo. Avocat fait connaître selon rapport, il y a 3 millions de dollars américains qui t'a doué restructurer système passeport qui dépensait tout dans ministère intérieur collectivité territoriale sans que yo pa joindre trace li. D'après lui-même, l'agent Petro-Caribéa dépensé avec méchanceté. Dans ce sens, il encourage la population avec la justice prendre responsabilité face à vol et ça yo. N'attendez avocat et réseau plaignant et Petro-Caribéa maître Marc Antoine Maisonneuve dans conférence pour la presse côté Laurie Lujan était présent pour Radio Kiskeya. Essayons d'aller au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, toujours dans le cadre du constat des irrégularités causant des préjudices. Dans la résolution du 18 juillet 2012, 7 ordres de décaissement ont été émis pour un montant de 4 891 995 $40. Il consistait à l'achat de véhicules, d'accessoires, de fournitures, d'équipements et de matériel. C'est un exemple dans lequel la Cour n'a pas retracé les documents contractuels. Dans la résolution du 21 décembre 2012, 3 ordres de décaissement d'une valeur 6 millions de dollars américains avaient été émis pour la police nationale d'Haïti, PNH. Il consistait à l'achat de munitions, d'armes, d'équipements et d'accessoires, ainsi que l'acquisition de systèmes électroniques de lutte contre les enlèvements pour la police nationale d'Haïti. C'est un autre exemple dans lequel la Cour n'a pas non plus retrouvé les documents contractuels. Essayons de nous rendre au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on trouvera? Il y a absence de contrat, de décompte
et de facture pour la mise en œuvre et l'exécution du projet d'appui à la restructuration du système de passeport pour un montant de 3 millions de dollars américains. On pourrait se rendre au niveau du Fonds d'assistance économique et sociale. Et on trouverait facilement, on trouverait rapidement des exemples justifiant que les fonds pétro-caribé ont été méchamment détournés. Voilà pourquoi nous disons maintenant que, puisque toutes les preuves sont là, puisque tous les faits sont là, puisqu'il s'agit d'une évidence que Cobla s'est mangé, mais qu'il a mangé avec méchanceté sous population, hein, pensez qu'il revient enfin à la population et à la justice d'assumer leurs responsabilités. Maître Marc-Antoine Maisonneuve, avocat réseau plaignant Petro-Caribéo avec collectif organisation pour défendre droit monde. Et dans la même conférence pour la presse, non, je viens de mettre André Michel, qui fait connaître dans tout rapport la Cour supérieure des comptes, lui montrer à clair depuis l'année 2008, moun qui sous pouvoir, c'est gagoter l'agent Petro-Caribéa. Avocat qui t'a parlé de avancée qui fait dans le dossier devant la justice, dénoncé juge Ramosite Aximé, qui retire yo comme partie civile dans le dossier ça. Dans ce sens, il continue à demander juge Ramosite Aximé retire col dans le dossier ya. D'après maître André Michel, tout autant équipe PHTK sous pouvoir, et bien procès Petro-Caribé pas jamais capable fait. Et sous bois parle représentant collectif organisation pour défendre droit moun et qui dans conférence pour la presse tantôt maître Armel Rémy qui appuyait tout avocat, tout plaignant qui a fait des marches pour joindre l'agent Petro-Caribé. Il fait connaître Jovenel Moïse, c'est principal obstacle qui la cause procès ça pas capable fait. Yon après l'autre, n'a pas de mettre André Michel et ak mettre Armel Rémy. Conférence pour la presse, d'origine te couvri pour Radio Kiskeya. La Cour confirme la participation de M. Jovenel Moïse à travers la prétrance à la dilapidation de plus de 4,2 milliards de dollars américains du Fonds Petro-Caribé. La Cour confirme que les fonds Petro-Caribé ont été gaspillés, ont été volés par celles et ceux qui ont été au pouvoir pendant les 12 dernières années, notamment de 2008 jusqu'à 2016-2017. Ces citoyens ont commencé Petro-Caribé depuis 2018, parce que justement, il y avait une volonté du pouvoir politique en place de vassaliser, d'étouffer le dossier en quelque sorte. Et je vous dis, nous pratiquement nos guérillas judiciaires, nous gagnons un recours en dessaisissement qui fait par devant la Cour de cassation contre le juge Ramosite Aximé, gagnons un recours disciplinaire qui fait par devant le CSPJ, gagnons un recours en appel qui fait contre une ordonnance du juge d'instruction qui retirait qualité de partie civile aux citoyennes et citoyens qui se sont portés partie civile. Et là encore, j'appelle le juge d'instruction à comprendre qu'il doit absolument se retirer de ce dossier, premièrement parce que il y a son dessaisissement, et deuxièmement parce qu'elle prend ordonnance pour retirer la qualité de celles et ceux qui ont initié le procès. Et la Cour de cassation l'a très clairement dit en 1941, toute décision qui retire la qualité de partie civile à un citoyen, c'est une décision qui a un caractère définitif. Et comme cette décision a un caractère définitif, et que cette décision est déjà attaquée en appel, à partir de ce moment, j'espère qu'enfin le juge Ramosite Aximé va comprendre la nécessité de se retirer du dossier pour que le dossier puisse suivre son cours normal. Mais la population, ce qu'elle doit comprendre, ça pour peuple à connaître, ça pour pays à connaître, pas bien procès Petro-Caribé. Et ça, c'est une vérité. Même Jean Moukouet, bonjour n'a pas mouru parce qu'il n'est pas éternel. Parce que pourquoi Jean Moukouet qui était sous terre. De la préhistoire à nos jours, pourquoi Jean Moukouet qui était. Nous tout à mouru, même Jean Gonsato, nous connaissons tout autant PHTK sous pouvoir. Jovenel Moïse président, le procès Petro-Caribé, pas Jean Moukouet. Mais nous-mêmes, au niveau du cadeau, on appuie tous les avocats ainsi que les plaignants qui, avec les démarches déjà entreprises et les démarches en cours, qui permettent que comme ça au jeune et que tout le monde qui gaspille comme ça supposé répondre par devant la justice. Mais nous connaissons que le système judiciaire nous est malade. Et j'en ai toujours dit, pour organiser un procès
procès d'une si grande envergure, Jovenel Moïse pas qualité. Parce qu'il constitue le principal obstacle à la tenue de ce procès. Mais nous-mêmes, comme avocats, la dépopulation, pour redémobiliser, parce que comme ça, quand je dis, même après 10-15 ans, même après 20 ans, ce procès doit avoir lieu. Et tout le monde qui dilapide comme là, tout le monde qui mange comme là, tout le monde sont supposés à le groupir dans la prison parce que fait trop de tort à la population. Voilà, conférence pour la presse, organisation SAO, avocat réseau plaignant et Petro-Caribéen. Nous sommes de mettre André Michel et qui te gagne avec lui, mettre Armel Rémy. Et puis avant ça, c'était Marc-Antoine Maisonneuve, avocat. Et réaction après la Cour supérieure des comptes publiée, troisième et dernier partie dans le rapport Petro-Caribéen. Et gen plusieurs organisations la danyo Unibaz esclaves révoltés qui t'ont organisé un sit-in devant la Cour des comptes jeudi pour continuer réclamer un audit sous gestion ancien membre conseil électoral provisoire qui démissionnaire et moun ki t'a protesté yo t'es environ une dizaine yo t'es gen nan men yo pancarte diverses paroles piment bouc. Et yo fait connaître c'est trop facile pour un monde qui était une fonction importante comme ça et puis pour pas gagner une enquête qui menait sous Jean et l'étape moyen et l'argent et à ressources publiques dans sans ça n'attendait représentant organisation ça yo qui était parlé comme ça et Bleus Robinson et ak Jean Wilgens Charles. Nous qu'a constaté Unibaz ensemble de l'autre organisation esclaves révoltés combien etc. Nous vini nous toujours dit dans chaque démarche nous dit n'a vinn planter piquette nous devant la Cour des comptes pour nous faire qui ça c'est vinn demander audit sur gestion KEP Bélanger t'a dirigé parce que je dis à nous comprendre clair. C'est KEP ça qui ban nous ensemble de corrompus dans le Parlement, qui ban nous Jovenel Moïse comme moun qui plus sale que société ça va jamais connaître. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous croyons que chaque fois, chaque jeudi, nous venons de piquer nous là, pour nous venir demander un coup de compte, pour prendre responsabilité nous. C'est pour faveur, c'est pour cadeau. Parce que je dis, hein, la jeunesse aux abois, la jeunesse par contre qui oui pour le faire, la jeunesse par contre qui sait pour adresser. Parce que je dis, hein, ensemble de vagabonds, ensemble de voleurs, qui prend l'argent payé, qui rend société à. Et vivable, côté que c'est gang, c'est mettre en main jeunes garçons, mettre en main ensemble de jeunes garçons qui n'ont pas été populaires. Mais nous-mêmes, nous pouvons que, je veux dire, pour ensemble de l'argent qui t'a dépensé dans le CPA, qui 14 machines qui t'a acheté, donc nous racontons côté offert, qui l'argent, élection second degré, 30 millions de dollars, donc nous racontons côté l'argent, ça a offert. Donc dans ce sens, nous-mêmes, nous pouvons au niveau Unibaz, nous pouvons gagner corruption. Si il y a corruption, mais nous demandons pour aider pour qu'il prenne responsabilité. Pour lui mener au doute dans CEP côté que Bélanger t'a dirigé ensemble. Nous prenons des paquets nous là devant le ministère des comptes pour nous dire à l'audité sous messieurs dames KEP ça. Donc en Haïti, on a tendance lorsque nous avons mené l'État, et puis les démissionner, et puis lâcher la KELI, il n'y a pas audité sous l'administration. Merci Gigabji, Gingagot, il n'y a pas Mario. Mais nous-mêmes, comme avant garde population, comme j'ai population, mais nous venons pour nous dire que ce n'est pas persécution pour nous mettre monde, c'est pour aller auditer tous les 9 membres KEPA, nous allons l'administration commentaire. Est-ce que c'est bien géré? Si c'est pas bien géré, c'est pas au code. Même le Jovenel Moïse, si mon pays qui crase, matériel qui crase le pays, mais là au fini, on dit que c'est persécution politique qui a fait, c'est arrêter le monde, c'est tout le monde, mais c'est parce que l'État va fonctionner. Et bien nous-mêmes, on dit que, je dis ça, lorsque l'État a failli, c'est population, jeune garçon, jeune femme, étudiant et autres, qui voulaient être en paix pour l'État où il était, nous-mêmes, madame, nous voyons ça. Nous venons pour nous dire qu'il faut auditer tout ce qui est passé, l'administration. Et si on est bien géré, oui, si on est mangé au code, je viens là. Nous avons un problème d'État, nous faisons corruption. Je vais aller payer à l'homme mis à trois, l'homme mis à noir. Je vais laisser la famille qui vient. C'est trois, nous sommes ensemble, moi je suis en dessous. C'était responsable communication dans Unibaz, Bleus Robinson, avec président organisation des esclaves révoltés, Jean Wilgens Charles, qui te parlait comme ça, je dis, devant la Cour supérieure des comptes, côté Talfait City, dans le micro-reporter, nous, Joubert Joseph.
N'a pas tourné encore en actualité internationale. Là, nous dédouons une mauvaise journée pour président Trump, ancien conseiller principal, architecte, victoire dans l'élection 2016 face à Hillary Clinton. Nous avons dit éminence grise ultra-droite là dans le pays États-Unis. Steve Bannon, nous a arrêté pour corruption jeudi dans le pays États-Unis. Steve Bannon, un architecte, victoire électorale et Donald Trump dans l'élection 2016. Yo. Yo mette en examen qui donc devant la justice d'après avoir détourné l'argent dans cadre campagne financement et côté un pays citoyen était participé et yo était quoi dans idéologie de développer avec Trump et pour immigration pas venir dans pays États-Unis c'est pour montrer miraille mais hauteur pour séparer États-Unis de voisins pays Mexique voisins sud et pour te construire gros miraille ça et entre deux pays c'est ça la justice américaine annoncé jeudi. C'était conseiller clé campagne présidentielle Trump-Lan. Il devine principal stratège en chef Maison-Blanche, Bannon, et Trump a révoqué dans l'année 2017 d'après avoir pris position publiquement pour dénoncer politique Trump a mené dans Corée du Nord. Et il a arrêté le jeudi en même temps que trois autres messieurs et inculpé immédiatement pour association malfaiteur pour faire fraude, pour blanchir l'argent qui part pour eux. Et il est capable de passer avec toi, l'autre monsieur, 40 ans prison en bas accusation ça pour corruption. Steve Bannon, nous connaissons dans le monde entier. La justice reproche Steve Bannon à toi, l'autre monsieur, yo, d'après avoir détourné l'argent, plusieurs centaines de milliers d'Américains qui étaient fait au don à travers une campagne financement participative 25 millions de dollars. Ils ont été We Build the World. Et d'ap construit mur et selon et procureur Bannon te prend 1 million de dollars de classer dans poche pas dans l'argent à travers une organisation créée qui pas là pour faire l'argent et qui rivé prend l'argent ça Bannon et dirige organisation ça les Citizen of the American Public qui recevoir plus que 4.4 millions de dollars dans l'argent ça dans l'année 2018 d'après sa document officiel la justice américaine. Et gain en main montré Donald Trump déclaré par journaliste qui posait le question dans Maison Blanche dans journée jeudi a li sentir très mal devant accusation qui gain contre Steve Bannon. Il dit c'est un événement qui triste et là que n'attendait tout ça qui a dit yo, mais en même temps li gain temps ba émission bois long kembe parce que depuis où monte proche Trump yo prend bois prend dans moulin li lago. Il dit que ça fait longtemps ba nouvelle nom ça fait plusieurs années ba konn rien de li. Donc projet construction muraille ça pour séparer États-Unis de voisin Mexique sous prétexte et pour empêcher immigrants entrer en fait qui sont des démarches racistes et c'était une pi gros promesse électorale Trump te fait dans l'année 2016 non mais gagne un cerveau qui était derrière promesse ça éminence grise Steve Bannon d'ailleurs qui vient allier Marine Le Pen dans pays la France ensemble avec Niesli Marion Le Pen qui créait une école pour former de leaders extrême droite et Steve Bannon était là dans inauguration ça. Donc c'est freiner d'après freiner immigration illégale dans pays États-Unis mais à cause contestation devant la justice, à cause tout obstacle logistique et puis opposition démocrate dans Congrès, eh bien projet Trump-Lan, belle promesse électorale lien, il finit sous qu'on l'a fumé. Mais en attendant, il y a 330 000 Américains qui croient dans le projet ça, eux-mêmes qui te baillent don et l'argent, 25 millions de dollars, pour être capable de construire. Ils disent que si le président n'a pas qu'à faire, eux-mêmes, ils pourraient le faire pour compte. D'après une enquête, Reuters fait dans l'année 2019. C'est deux morceaux murailles seulement qui construisent sur des terrains privés dans le Nouveau-Mexique et dans le Texas. Donc, c'est un événement mondial. Steve Bannon a arrêté pour corruption et il nomme la justice. Il est capable de passer 40 ans en prison. Tranche journal ça.